Question interne. Accepté. Au Japon. L'indépendance politique. La majorité des femmes. C'est inimaginable. L'étincelle. Justice. Il n'y a pas que la Tunisie. Dissuasive. Tout est déclamé. Totale. À avoir de la confiance en eux-mêmes et que les choses peuvent s'améliorer vers le bien. Vous savez, rien n'a changé. On a maintenant on a 2 ans, 1 an et quelques. Alors rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais juste un peu la mentalité, je veux dire. Hein? Chouette. Bon, maintenant, on a 10 millions de politiciens. Hein? En foot, on a 10 millions de footballeurs. elle est petite, la Tunisie. Et si tu dis quelque chose, elle va. Tout le monde va se prendre. Hey. Alhamdoulilah, Facebook, Hassan Ben Ali, Bakoulay. Il est en prison maintenant. Il n'a rien fait. Il a fait des guignols. Comme vous en France. Je crois qu'il n'a rien fait. Il a pris les guignols. Il travaille. Hein? Il est en prison. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Voilà. Nada. Chacun a fait son prière et moi je fais pas le prière. Je fais pas le prière. Et lui il fait le prière. Hein? Moi je... le prêtre, c'est que l'arbre. Ce qu'on a fait là, c'est les élections, le gouvernement provisoire et tout, c'est une belle preuve d'humanité et de citoyenneté. Moi ça m'a fait plaisir, même que ce soit Nada qui soit au pouvoir, mais ils ont été élus. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Soit les militaires ou pas, bon... Ils ont été élus de manière démocratique, je sais pas. Mais À moitié démocratique. À moitié démocratique parce qu'il y a la moitié qui a voté. Mais ils ont eu la moitié de la moitié, c'est déjà pas mal. Ils ont manipulé des bureaux de vote aussi. La loi de la femme. Il faut pas qu'on dit à la femme qu'il faut que tu mets la hijab. C'est à elle que... C'est à elle de... عيش أذنك ثورة ودعمي ثورة عيش أمنيك في الفيد ميخت تونسية مي لي بيلا تونسية ميم لا بوفريتي مي نو سوم تري ولا نو سوم لاباس سون لو ديكتاتور الطحان بن علي تفضل. Par exemple, pendant la révolution, la période du 14 janvier, j'étais en Tunisie ici, le 14 janvier, enfin, juste avant qu'il y ait les émeutes, j'étais à Harbi Bolgué. Après, on rentre à la maison, on regarde les infos, françaises, on regarde les infos d'Al Jazeera, on regarde les infos tunisiennes. Il y a un décalage entre les trois, mais pas possible. Et personne ne dit la vérité. Chacun manipule l'information, en fait, pour les auditeurs. Par exemple, la France disait que il disait que c'était une révolution bourgeoise.
c'est une révolution pour soi, des Tunisois qui ont fait la révolution. C'est pas ça du jasmin, des actifs sur internet et tout ça, des blogueurs, des facebookers, peu importe. N'importe quoi. Ceux qui ont fait la révolution, ça a aidé. Ça a aidé quoi à médiatiser la révolution. Parce que c'était ces gens-là qui fournissaient les vidéos, les photos, qui prenaient des photos, qui les mettaient en ligne et tout ça. Mais exactement, en instantané. Mais les gens qui ont vraiment participé à la révolution, c'est quoi, les ouvriers, la classe sociale la plus basse. C'est les mineurs. Les mineurs, exactement. Les mineurs du bassin minier de Versailles. C'est eux les vrais qui ont fait la révolution, qui ont commencé la révolution. Vous avez dit que Ben Ali était revenu, était resté, c'était faux, c'était une rumeur. Chacun avait sa version. On savait vraiment pas qui croire. Il y avait des centaines et des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il y en avait qui étaient devant le palais de Carthage. Et c'était pendant les vacances. Ah, c'est trop bien. C'était pendant les vacances. Et non, c'était pas pendant les vacances. On avait annulé les cours. On avait annulé les cours pendant deux semaines. Il y avait pas de cours. En fait, on avait fait une manifestation au milieu du lycée. Et là, c'était tout le monde criait, tout le monde sortait de la classe et tout. Donc la prof, la professeure, elle a amené. C'était magnifique, on s'est tous réunis dans la cour comme ça. Les drapeaux des Tunisiens et tout partout. Et donc le soir, comme il y avait les couvre-feu, vous avez entendu parler des comités de quartier. Bah ouais, moi j'ai pas dormi. Hein. On faisait des barrages, il y avait 5-6 barrages, on était tous avec, je sais pas, j'avais un pied de biche, des gens t'avaient des bâtons et tout, genre on attendait endroit au monde où le citoyen demandait les papiers du flic. Ouais, exactement, on arrêtait n'importe quelle voiture, on fouillait, t'as quoi, tu viens faire quoi ici et... C'était nous les flics, c'était le peuple. Mais ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, en Tunisie, dans plein de quartiers riches, juste à côté, il y a un quartier pauvre. Pendant ces comités de quartier, tout le monde était mélangé, il y avait de tout. Donc bon, on s'est fait plein d'amis et tout. On restait, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des femmes, il y avait tout le monde. Je pense, dans mon quartier, moi, il y avait plus de femmes que d'hommes. À l'époque de Ben Ali, mais genre... Genre franchement un flic qui t'entendait dire ça, passage à tabac, il fout en tôle, limite tu ressors plus. Alors il disait que Ben Ali il est parti en voyage, il avait laissé sa femme, Leila, toute seule au palais. Donc il avait la réputation d'être assez ouverte. Oui, donc voilà, assez ouverte pour le pute. Donc il disait que Ben Ali est parti en voyage, je sais pas, il est parti en France quelque chose. Leila elle est restée au palais. Il y avait ses femmes de ménage et tout, donc il y avait la sécurité et tout. Il y avait un mec de la sécurité. Et Ben Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu tout le monde, il a dit écoutez, personne, il a prévenu tous ses ministres, tout le monde, il leur dit écoutez, personne touche à ma femme. Et comme il n'avait pas confiance, il a mis une lame de rasoir dans son vagin. Genre pour voir, il va se blesser le mec. Là, et quand il rentre, il met tous les ministres et tout ça. Il les aligne, baissez vos pantalons. Et là, t'as tout le monde avec des pansements sur leur pénis et tout. Il y a un mec de la sécurité, son garde-corps. Bravo mon fils, c'est bien ce que t'as fait, j'ai confiance en toi. Merci monsieur le président. Là, non, à l'époque, c'était autre chose. Genre, on racontait pas ce genre de blagues dans la rue. Et pendant, après 8 mois, 9 mois, les chiffres sont là, alors on a réussi à faire sortir le pays du trou avec 3,3% de croissance, oui, économique, avec une saison touristique vraiment très réussie, avec entre 4 et 5 millions de touristes pendant 8 mois. Alors c'est un record que la Tunisie n'a pas vu depuis 10 ans, plus que de 10 ans. Et actuellement, bien sûr, je travaille dans une plateforme téléphonique, un centre d'appel. Bien sûr, c'est un travail provisoire parce que je n'ai pas trouvé de travail. On a beaucoup de chômage ici en Tunisie. C'est le problème de tous les Tunisiens, surtout du jeune Tunisien. Je travaille pour les jeunes parce que le chômage des jeunes, et notamment des jeunes diplômés, est devenu une plaie saignante, ouverte. Le nombre de diplômés est très important. Le nombre de chômeurs non diplômés est très important. Le développement n'étant pas au rendez-vous, donc il y a une paupérisation galopante. Il n'y a pas de ministre de Finances en Tunisie en ce moment. Vous imaginez, donc, en temps de crise,
il n'y a pas de ministre de finances. La Tunisie, elle signe un accord avec le Qatar pour lui déléguer la recherche des investisseurs pour faire une raffinerie à Sfax. C'est n'importe quoi. Parce qu'on ne manque pas de compétences en Tunisie pour chercher l'investisseur nous-mêmes. Cette période de transition-là, elle est très, très bizarre, très énervante. Elle est pour certaines, une certaine catégorie de la population. Donc, ce qui a fait que le pays, maintenant, est divisé, selon mon avis, en deux pôles. Il y a d'un côté, il y a les islamistes qui ont gagné les élections de façon démocratique. Tout le monde a applaudi. Moi, j'ai fait partie, en tout cas, des gens qui ont applaudi ces élections, bien que je n'ai pas voté pour ces gens-là. Et après, on les a laissés faire. Personnellement, je fais partie des gens qui les ont laissés faire. Après, il y a eu une constitution d'une troïka, des mariages, des machins, avec d'autres partis qui, on a des traces, hein, qui disaient jamais islamistes, jamais nous sommes laïcs, etc. Bon, bref, maintenant la situation est que le pays est géré par trois partis, mais le plus gros parti, majoritaire, vous allez entendre la même chanson partout, c'est le fameux parti Ennahda qui est géré par des ex-tolars, par des ex-dissidents qui étaient exilés ou en prison et qui se retrouvent à la tête d'un pays comme la Tunisie. Et apparemment, ce que nous sommes en train de voir, c'est que le pays est mal géré par ces gens-là. Ils ont un certain degré d'incompétence que personne ne peut lire, beaucoup de cafouillage, etc. Donc, ces derniers jours, il y a eu un bateau qui contenait une centaine de personnes qui a naufragé. Donc, beaucoup de morts, beaucoup de familles qui ont perdu leurs enfants. Il y avait des mères et avec leurs enfants au bord de ce bateau. Donc, c'était un drame. Il y a eu beaucoup de manifestations à travers le pays, un deuil comme un deuil, et des protestations contre le régime économique qui n'a jamais trouvé une solution pour ces gens-là. Défendre plutôt une comité pour défendre le droit de femmes voilées parce que tu es agressé par le régime d'Ibn Ali. Donc j'étais arrêté pendant le régime d'Ibn Ali et j'étais même agressé par les agents de police et j'étais même exclu de quelques concours. Donc sincèrement, j'étais exclu du concours de l'avocatie. Il y a eu effectivement la montée de l'intégrisme musulman dans les années 80. Islamistes ont commencé à voir le jour, et des pays comme la Tunisie ont commencé à serrer la vis, ils ont mis plein de gens en tôle et tout, et ils ont interdit tout ça, ils ont dit, allez, tout ce qui est extrémiste religieux, on va les foutre en tôle, et on va leur interdire de vivre, on les a vraiment brimés, pas bien ça, il y a des femmes qui ont souffert,
Mais je connais des copains, moi, qui amenaient des couffins devant la porte d'une femme dont le mari était en prison, qui se sont retrouvés en tôle aussi pour emmener un couffin avec de la bouffe, avec un bout de pain, une salade, un couscous. C'est uniquement, c'est de l'humanitaire presque. Et donc, ils ont souffert. Mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'ils ont trop serré. Ils ont trop serré. Ce qui fait que ces Tunisiens, qui étaient plus ou moins, vous savez, quand vous dites à un enfant, ne mets pas tes doigts dans la prise, il va le mettre. Il faut savoir lui dire comment ne pas le mettre. Il n'y a pas eu cette pédagogie. Ils ont tout fermé. Ce qui fait que grâce au satellite, à la parabole, il y a eu des chaînes comme Al Jazeera et il y a eu les chaînes islamiques, islamistes et qui parlent de l'islam, énormes, qui délivraient des messages musulmans et islamiques et islamistes qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas notre islam malékite, soft, cool, sympathique, avec nos traditions qui s'adaptent à notre pays. Donc on s'est retrouvé avec un islam qui a été exporté via une tête LMB et 1,20 m de diamètre de parabole. Vous imaginez le mal que ça nous a fait maintenant? Voilà ce qu'on est en train de payer. On est en train de payer une trop forte répression, et une trop forte répression te mène systématiquement ce genre de résultats maintenant. Et le secteur qui n'a jamais été domestiqué, mis totalement sous la botte, même s'il a subi des difficultés, c'est le secteur syndical. C'est l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens qui a réussi également, bon gré, mal gré, parfois en prenant des positions plus ou moins souples lorsque les tempêtes fascisantes deviennent plus puissantes. Mais une lame de fond de résistance n'a jamais quitté l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Le moment le plus crucial pour le régime de Plan, c'était en 2008. Il y avait un grand mouvement, une grève générale, des manifestations brutales. En 2008, le soulèvement du bassin minier était vraiment le commencement de la révolution tunisienne, car les mêmes slogans que les travailleurs et que les chômeurs au bassin minier, ils sont maintenant les mêmes slogans, pas des simples slogans, ce sont les slogans axiales de la révolution tunisienne. Le bassin minier de Gafsa, qui est lui, c'est lui, on l'appelle le noyau est là, c'est de là-bas que depuis des années, c'est en train de monter encore beaucoup plus. La mayonnaise est en train de monter beaucoup plus, il y a beaucoup d'échauffourées, il y a beaucoup de violences, etc. C'est des bousines, tous les jours, casseries, la même chose, c'est ces endroits qu'on dit défavorisés. Considérons que 2008 était l'étincelle, le bassin minier était le berceau de la révolution tunisienne. Et 2008 n'est pas venu comme ça, n'était pas parachuté, mais c'est l'effet des accumulations du fait révolutionnaire et du fait militantisme ici dans cette région depuis les années 70, bien sûr. Ici dans cette région, il y avait un mouvement syndical dur et fort. Et les choses sont éclatées en 2008, bien sûr. Et c'était le début de la révolution en 2008. Après notre emprisonnement, après notre libération de la prison en novembre de 2009, donc bien sûr, on a continué de protester. On a beaucoup dérangé le régime de Ben Ali à l'époque. Et des morts, il y a eu des morts également en 2008. Donc l'insurrection populaire commençait à couver depuis longtemps, puisque la corruption et le caractère policier radical du régime de Ben Ali devenait un étouffoir total faisait que ça et là, ça commençait à exploser. C'était devenu une véritable bande de corrompus
avec sa propre famille, les Ben Ali, et l'autre famille, donc par alliance, les Trabelsi, qui ont mis la main sur tous les secteurs de l'économie. Ce qui fait que si vous posez la question à des hommes d'affaires, qui ne sont pas réputés dans le monde pour être de joyeux révolutionnaires, ils vont vous dire, eh bien, nous avons lâché Ben Ali, d'une certaine manière. Ils l'ont lâché parce que eux-mêmes, les intérêts économiques des hommes d'affaires, les intérêts économiques des paysans, les intérêts économiques des grands agriculteurs, tous ces intérêts-là étaient sous une menace permanente. Par conséquent, de l'intérieur même de la machine était complètement grippée. Et ça, nous ne l'avons pas vu venir. Nous le pressentions, mais on ne savait pas que l'intérieur était gangréné, était déjà bloqué à ce point. Donc il y a deux facteurs. Un facteur populaire, géré ou animé par les trois slogans que je viens de citer, travail, liberté et dignité nationale. Et de l'autre côté, bien sûr, l'état de pourrissement total du régime de l'intérieur. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas parler d'une révolution. C'est une révolte, oui, c'est une révolte. Il y avait un complot dans le régime de Ben Ali qui a poussé Ben Ali à quitter le pays. C'est pas la preuve n'est que la révolution aujourd'hui est bloquée, le fait révolutionnaire est bloqué. Donc, on n'a pas maintenant, jusqu'à maintenant, abouti, on n'est pas dans le bon chemin. Au début, on n'a pas appelé ça une révolution. Moi, je pense que ce n'était pas une révolution. C'était un coup d'État. Ce n'était pas une révolution. C'était un coup d'État, c'était une révolution qui était programmée à l'avance. C'est-à-dire, voilà, pour reformuler, il était question. Ça n'engage que moi, je répète, avec d'autres personnes qui pensent comme moi, il était probablement programmé, avec l'âge de Ben Ali, sa maladie, sa femme qui cassait les pieds, etc., il était programmé que Ben Ali s'en va. Il fallait trouver un successeur à Ben Ali, avec une façon soft. On a vu que sa femme a vraiment fait beaucoup de mal à sa famille, à son entourage, etc. C'était une vraie mafieux. Lui aussi, il s'est avéré que lui aussi, ça, il n'y a pas de doute, c'était un pensionnaire, etc. Donc révolution, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'y crois plus. Pourquoi coup d'État? Parce que l'histoire, il est parti, il a parlé à la télévision, le 13 janvier, il a pris l'avion, il a emmené ses enfants et sa femme, ils ont dit qu'il allait revenir, etc. On attendait le bon moment pour faire une révolution. J'ai l'impression qu'il y a eu, des gens manipulés, et parmi ces gens manipulés, il y a des gens de bonne foi, comme moi, comme ma femme, comme tout le monde, qui sont sortis, qui ont dit, bon, on va après tout, dégage, oui, dégage. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. C'est tout. Maintenant, la preuve, vous allez maintenant, ça foire de partout. Ça tire, il y a des gens en tôle, il y a des gens embêtés, il y a des incendies, il y a des voitures, il y a... Base de la compétence et de l'indépendance politique pour être au service de la ville, eh bien aujourd'hui, ils veulent la remplacer aussi. Ils veulent remplacer toutes les délégations spéciales et mettre à la place de ces gens compétents et indépendants des gens qui leur sont acquis totalement, qui sont des garants politiques. Donc, le schéma général, c'est un schéma de mainmise totale, et qui dit mainmise totale, 10 projets de dictature, cher ami. Et donc, nous sommes en train de lutter au quotidien contre ces projets de dictature et contre la prolifération, on dit en arabe un mot magnifique qui est taraoul. Ça veut dire la transformation de cet être-là, enfin, de cet organisme-là en ogre. Hein. Ce processus monstrueux que nous sommes en train de constater, que nous sommes en train de dénoncer au quotidien. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que c'est doublé également par une liberté complice accordée aux exactions
entreprises ça et là par ce qu'on appelle les salafistes. Pour eux, la solution c'est l'islam. Et non pas l'islam moderniste, mais l'islam des l'islam justement pur et dur, extrémiste. L'islam des wahhabites, l'islam des salafistes et des djihadistes. Des gens qui ne croient ni en la démocratie, qui ne croient plus aussi en la liberté de la femme et qui ne croient même pas aux droits, aux droits des hommes. Donc là, ça n'a jamais, il va faire ses prières, lui. Ah ouais. C'est la prière. Alors, ça ne veut absolument rien dire le mot salafiste. Alors voilà, je vais te dire. Moi aussi salafiste. Alors, oui, salafiste. Tout le salafiste. Et dans parce votre religion, le mot salafiste, c'est revenir, disons, en arrière pour prendre une certaine idée sur la vie du prophète, de ses amis, etc. Et c'est, disons, dans le pur des choses. Vous voyez, le Pakistan, par exemple, quand ils ont construit leur pays, vous avez une idée de ce que veut dire le mot Pakistan ? Attends, le mot Pakistan veut dire le pays des purs. Et quand ils ont construit leur pays, le Pakistan, ils ont appelé leur pays le Pakistan, qui veut dire le pays des purs. Alors, ces salafistes, ils veulent revenir en arrière avec une idée de cette pureté, tout simplement. Et les salafistes, c'est un vrai débat. Ça veut dire quoi un salafiste ? Si vous cherchez la signification du mot salafisme, vous allez comprendre c'est quoi un salafiste. Moi je suis salafiste, selon la vraie définition. Salafiste, c'est n'importe quelle personne qui est en train de suivre la conduite du prophète et qui essaie de répandre la bonne parole, d'essayer de bien faire de belles choses. Je pense, vous n'êtes pas musulman, il y a de fortes chances que vous soyez compatible avec le salafisme. Parce que vous êtes quelqu'un qui vous êtes contre le vol, contre le viol, contre... peut-être un petit peu contre le forniquer comme ça en anarchie, etc. Peut-être, vous voyez. Mais il y a de fortes chances que vous soyez compatible avec le salafisme. Mais là, les petits bandits qui hier, ils étaient les bandits de la Tunisie, aujourd'hui ils se retrouvent dans cette communauté qui dégage une image de force. Et puis l'État et les aide à renforcer cet État parce qu'ils n'est pas en train de les arrêter selon la loi. Ils se plaisent. On est les plus forts, allez, je fais une barbe et je vais faire peur. C'est normal, à n'importe quel jeune de 18 ans, ça va plaire ça. Pas d'origine tunisienne, je viens du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Ils sont venus, c'est les seuls. C'est eux qui ont financé les partis salafistes. Oui, mais ils sont venus vers ces gens-là, défavorisés, sans s'incriminer les choses, qui n'avaient pas leur place dans cette société. Ils sont allés les aider en leur donnant d'argent pour faire un projet. Et automatiquement, ces gens vont s'allier à cette cause. Vous allez en France, vous parlez de religion, on va vous envoyer chier, balader quoi. Enfin, à 90% je pense. Par contre, le Tunisien, il est très très attaché à sa religion, contrairement à ce qu'on peut croire. Vous pouvez aller dans un bar, essayer de faire un truc dans un bar, ou poser la question à le plus ivrogne des ivrognes de la Tunisie, alors que l'alcool il est interdit dans l'islam. Et dites-lui, si un jour vous êtes dans un bar et vous entendez quelqu'un insulter Allah, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais le tuer. Il y a de l'inconscient public, on a la conscience publique, elle est très très attachée à sa culture et surtout à sa religion. Peu importe les apparences, vous prenez une prostituée, vous insultez Allah devant la prostituée, elle va vous insulter, elle ne supportera pas. Nous, lorsque on dit Inch'Allah dans notre culture, on croit toujours. On dit toujours qu'il ne faut pas, Dieu interdit qu'on insulte ses parents. On a cette culture-là et l'islam, c'est en dehors de la conviction, c'est de notre conscience publique. Et ces gens-là, ils utilisent ce fait-là pour créer de l'intégrisme. Des gens qui réfléchissent, ils font du prêt-à-penser. On a évalué cette quantité de gens à 25 000 personnes au début, à 3 000 au début, après ils sont passés à 25 000, maintenant on est arrivé au chiffre de 100 000. Moi, ce que je dis, ce que je rajoute à ça avec d'autres amis qui pensent comme moi, que ce parti salafiste, c'est le bras armé d'un mandat. C'est comme Volkswagen et Seat. C'est le même groupe qui gère et il y a deux entités différentes, Renault et Dacia, ou ça comme vous voulez, pour vous les Français. Donc voilà comment ça se passe. Et évidemment,
Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est que le gouvernement, quand les salafistes font des choses violentes, on les relâche 2-3 jours après, si jamais on a eu déjà la gentillesse de les attraper. Bon, il y a une organisation, il y a une structure. Ce ne sont pas, c'est pas une organisation comme ça qui est faite de façon aléatoire. On se lève le matin. Il y a des ordres qui sont donnés par des gens. Il y a c'était des anciens chômeurs, hein, c'est des bras armés, ce sont des exécutants qui sont là, qui touchent maintenant des salaires de l'ordre de 800, 700, 600 euros par mois, c'est 1200 dinars, c'est à peu près 3 fois le SMIC. C'est une certaine tendance, et cet wahhabisme vient de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, pourquoi on ne la touche jamais? Parce que tous, vous ne pouvez pas. Aucun pays occidental ne peut toucher à l'Arabie Saoudite pour la bonne et simple raison, parce qu'elle est l'amie des États-Unis, parce qu'elle est la première réserve de pétrole. Donc c'est un processus de reconstitution d'une dictature au nom du sacré, au nom de la religion, et, qui est la seule partie qui a intérêt à faire ça, c'est les multinationales pour mieux exploiter les richesses du pays, comme le phosphate, la main-d'œuvre. Et avec le gouvernement Nahda, maintenant, ils ont plus de charaïa, comment dire, de légitimité à travers les élections du 23 octobre. À chaque fois qu'on essaie de critiquer le gouvernement en place, la légitimité, le peuple nous a choisi, machin truc. Et là, ils sont au nom de la légitimité, au nom de l'islam, ils sont en train de vendre tout le pays petit à petit. J'avais des amis qui ont fondé des associations, ils ont eu des sommes d'argent inimaginables depuis Freedom House, par exemple, qui est un peu un organisme de la CIA. On ne fait pas beaucoup la différence entre la politique et la CIA et Freedom House. Donc, on voit aussi des associations qui sont financées par l'Arabie Saoudite ou Qatar pour promouvoir la culture de l'islam wahhabiste, salafiste et tout ça. Quand il y a beaucoup d'argent, il faut toujours se demander d'où il vient et pourquoi il vient de cette manière. Le conflit de ce film en Égypte, la religion est menacée. Qui t'a demandé de ne pas croire en Dieu? Il y a eu des manifestations, l'islam est en danger, Dieu est en danger, on sort dans la rue pour protéger Dieu. Mais quelle connerie, pour protéger Dieu dans la rue, c'est comment ça se fait? Dieu le créateur, on le protège en manifestant, c'est insensé, c'est dénué de sens, même de point de vue religieux, vous voyez. Nous sommes sous le choc, tout le monde est sous le choc. On a utilisé des cocktails Molotov, alors apparemment ils sont bien préparés pour cette bagarre. Nous sommes sous le choc, tout le monde est sous le choc. Ce qui est nouveau, c'est que dans les pays du printemps arabe, l'État est assez faible. Puis ce sont des islamistes qui sont au pouvoir, même s'ils se disent modérés, même s'ils ont mis beaucoup d'eau dans leurs mains, même s'ils sont devenus d'une certaine manière les copains des Américains, essentiellement, beaucoup plus que des Européens. Les événements de Benghazi, du Caire, et donc il était prévisible de... qu'il y ait une vague de protestations.
Je ne suis pas un spécialiste des affaires de sécurité, mais il est évident que si on veut protéger une bâtisse, on ne la protège pas à quelques mètres. Non, on empêche l'accès à la bâtisse. Tout en laissant une autre bâtisse, qui est l'école américaine, qui est une cible évidente, sans aucune protection. Mais en fait, quand on voit les explications données par le président de NADA et le ministre, on comprend la raison. La stratégie politique, la stratégie électorale du mouvement islamiste tunisien, c'est de ne pas créer une opposition à sa droite, c'est-à-dire de concéder du terrain idéologique et politique, et même sécuritaire, aux franges les plus extrêmes de l'islamisme, aux franges les plus extrêmes du salafisme, aux djihadistes. Et hier, le chef du mouvement nous expliquait sur toutes les antennes et sur toutes les télés que ce qui s'est passé, c'est parce qu'il n'y a pas de loi internationale ou nationale criminalisant l'atteinte au sacré. Donc, ce qui est responsable de la tragédie d'hier, c'est l'absence de cette loi sur le plan international. Au lieu de condamner fermement la violence, au lieu de faire que la violence ne puisse pas se faire, ceux qui sont responsables, il a dit clairement, ceux qui sont responsables ont premier chef, c'est ceux qui ont commis la violence symbolique. On peut faire tous les commentaires qu'on veut, voilà, voilà ce qui explique qu'une action prévisible puisse dériver et puisse déboucher sur autant de violence et sur des morts. Et bon, encore désolé pour ce que vous êtes arrivé hier, quoique c'était un peu prévisible. S'appuyer sur les valeurs de notre religion, de l'islam.